Distingués invités, mesdames, messieurs, veuillez bien suivre la lecture de la note de lecture du professeur Jean Dubois de Godusson. Mes chers collègues, c'est avec un réel plaisir que je viens présenter un bref compte rendu de ce que sont les mélanges droit et services publics, et de m'associer à la cérémonie de leur remise au professeur Étienne Charles de Kenedon-Fac. Mais je me dois de vous faire un aveu, un double aveu, à vrai dire. Lorsque j'ai pris connaissance du titre de ces mélanges, je n'ai pu résister à la demande qui m'a été faite de rendre hommage à un collègue connu et apprécié qui fait honneur à notre profession et à l'université. Ils ont un titre très proche des mélanges que j'ai reçus, le droit et le service public. Le service public, une notion, une valeur majeure, souvent incomprise, oubliée, négligée, et pourtant si nécessaire à nos sociétés. Ceci dit, en toute objectivité et impartialité, même de la part d'un lointain disciple de Léon Duguy, M. Le Kenedon-Fac en est aussi un, j'ajouterai que j'ai été sensible à la discipline du professeur Le Kenedon-Fac, qui est aussi la mienne, celle du droit administratif, du droit constitutionnel, mais aussi celle des finances publiques où j'ai fait mes premiers cours et ai commis mon premier ouvrage. Tout commence et finit par là. Un deuxième aveu est que je ne mesurais pas l'ampleur du défi de rendre compte d'un ouvrage considérable, composé de 84 contributions, de 2 tomes et de près de 1500 pages. On comprendra qu'une telle somme portant sur des sujets très divers exigeait de ma part une lecture particulièrement attentive, impossible en quelques jours seulement, d'autant que nombre d'auteurs qui mettent légitimement en exergue la contextualisation des règles, principes, institutions étudiées qui, par définition, ne pouvaient que m'échapper, au moins partiellement. Que l'on juge de la richesse de ces mélanges, il ne me revient pas d'en livrer l'étendue et la profondeur, mais à la lecture des titres des contributeurs, on constate combien il constitue un apport significatif à la connaissance du droit et de ses rapports avec le politique et la société au Cameroun, en Afrique, mais aussi ailleurs, plus loin encore, au plus grand profit des comparatistes. Avec des registres bien différents, relevant selon les auteurs de l'analyse théorique ou pratique, dogmatique et sémantique, et politique et sociologique, et même mathématique, ce sont des multiples questions
qui sont soumises à la réflexion. On citera les arbitrages toujours remis en cause entre droit, éthique et politique et impératif de la question publique, de la gestion publique, les mécanismes, ressources et efficacité des contentieux devant les juridictions et cours constitutionnels, le constitutionnalisme, et se démêler jusqu'à faire douter de sa pertinence avec les critères, les mutations des sociétés, les postures des acteurs et parmi eux, des gauchistes. Ce sont aussi des thèmes souvent moins développés, mais qui retiennent de plus en plus l'attention des chercheurs et des politiques, tant ils deviennent cruciaux, tels la situation des administrés, les exigences de la gestion publique et numérique, la globalisation et le jeu des relations internationales et régionales, et encore et toujours, le service public dans ses aspects les plus contemporains, confrontés parfois à l'oubli des responsables, mais aussi à de nouveaux défis, appelant des solutions innovantes, voire de nouveaux paradigmes. En réalité, dans ces mélanges, il y a une invitation à s'interroger et à renouveler l'encadrement juridique de l'action des gouvernés et des gouvernants et, en fin de compte, à réfléchir sur la façon d'instaurer, voire de restaurer, ce rapport de confiance entre les uns et les autres, rapport dont on sait qu'il n'est pas à l'abri d'altération un peu partout dans le monde. Et je voudrais faire état d'un troisième aveu. Actuellement, responsable de la revue Afrique contemporaine, j'ai vu dans cette cérémonie l'opportunité d'adresser un message à cette communauté scientifique aujourd'hui, réunie pour lui dire l'ouverture de cette revue à tous ceux qui attachent leur réflexion au droit, à la paix, à la démocratie en Afrique. Une revue qui, dans le prolongement de son histoire, se veut être un espace de libre échange des idées, des critiques sans tabou, à l'abri de toute forme de police de la pensée qui, aujourd'hui, peut-être plus que jamais, va être combattue, y compris dans le monde universitaire. C'est cet espace que nous retrouvons avec les mélanges en général et particulièrement avec ceux qui nous rassemblent aujourd'hui. Un de leurs intérêts n'est-il pas, comme le rappelait un collègue à propos des colloques, de nous faire nous rencontrer? C'est certainement cet enrichissement de la connaissance qui m'attend lorsque j'irai plus avant dans la lecture de ces mélanges. Nous prendrons le temps d'en rendre compte plus tard dans un prochain numéro d'Afrique contemporaine. Pour terminer, permettez-moi, devant votre assemblée, d'avoir une pensée pour plusieurs grands maîtres de l'université camerounaise qui furent mes collègues, mes amis, les professeurs Stanislas Meloné et Joseph Owona et bien d'autres disparus à qui je rends hommage et de dire toutes mes vives félicitations au professeur Lekene Domfak d'avoir pris le relais. Jean Dubois Lebaudusson, agrégé des facultés de droit, professeur émérite à l'Université de Bordeaux, président honoraire de l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, ancien président de l'Agence universitaire de la francophonie, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Le professeur Jean Dubois de Lebaudusson vous remercie pour votre bien aimable attention.